Salut à toutes et à tous, bienvenue à une nouvelle émission Elle. Alors, comment vous êtes trouvés juste après le générique? Quelques images. Alors, aujourd'hui, nous pour cause du yoga. Comment se trouvez-vous? Bien assise là, bien droit, avec notre invité du jour, les professeurs de yoga depuis quelques années, évidemment. Hein, les Panvin, professeurs de yoga du jour au lendemain, et la bonne circonstance de la vie qui n'a mené la quotidienne aujourd'hui. Tout un parcours dans la vie de femme. Qui lui pour raconte-nous aujourd'hui, en compagnie de Dipriya Balgobin. Bonjour Dipriya. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Oui, très bien. Alors, bien assise là? Très ça bien. Va? Bonne posture. Super, on est parti. Alors, professeur de yoga depuis, donc ça fait 4 ans, à peu près 4 ans que... Ça fait à peu près 4 ans que je pratique le yoga. Mm-hmm. Mais ça fait plus récemment que je suis devenue prof de yoga et que j'ai commencé à teach. J'ai commencé en Inde et puis je suis revenue à Maurice récemment, il y a peut-être 5 mois. Ok. Après avoir vécu presque 10 ans à l'étranger. Maintenant de retour, ouvert le studio après à peine un mois d'être rentrée. Très très bénie d'avoir reçu beaucoup beaucoup d'élèves dans très peu de temps. Parce qu'il faut le dire que de plus en plus les gens ont... Il y a une grosse demande. Il y a une grosse demande à ce niveau, bien sûr. Qu'est-ce que le yoga? Mille et une questions hein, que vous essayerez de répondre au cours de cette émission. Mais avant tout, Dipriya, voilà. Donc, c'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie, hein, n'est-ce pas? Donc, qui fait de vous la femme qui est en face de moi? Alors, un petit recap sur ma vie. Commencer par une étudiante de psychologie, passer presque 4 ans en Australie pour mon bachelor. Ensuite, revenu à Maurice, repasser en Inde à ce moment-là pour faire ma maîtrise en psychologie clinical psychology, spécialisation. Une fois là-bas, malheureusement, j'ai eu des petits problèmes de santé, tombé malade par rapport à des problèmes gastriques, etc. etc. En Inde. En Inde. Petite complication qui finalement... Qu'il fallait bien sûr guérir, à gérer tout ça. Et comment est-ce qu'on gère? Et pas facile, surtout quand on est en dehors de Maurice, on est loin de sa famille. Bien sûr, il faut gérer tout seul. L'Inde est un pays extraordinaire, mais pas nécessairement très facile à vivre avec la pollution et le décalage entre la nourriture mauricienne et la nourriture indienne. Donc bref, j'ai commencé à avoir des problèmes de joints, des soucis à tous mes joints, des douleurs de joints, que les médicaments ne pouvaient pas vraiment m'aider. Ça allégeait la douleur, mais ça ne guérissait pas du tout. Et ça fait longtemps que ça a duré, ça? C'est quand même terrible, ouais, j'imagine. Ouais. C'était pas facile. À un moment donné, c'était dur d'écrire, c'était dur de marcher. Tout était devenu dur. Et c'est à ce moment-là que je me suis tournée vers le yoga. Je me suis dit, peut-être laisser les médicaments et aider le corps à guérir de l'intérieur. Donc là, j'ai commencé... Donc vous aviez déjà une notion de yoga avant ce souci? J'avais pris quelques cours de yoga à Maurice, mais jamais... Mais sans aller vraiment dans le fond des choses. Non, j'avais même pas compris vraiment c'était quoi le yoga. À l'époque, je pensais que le yoga, ça voulait dire des pauses. Mais c'est en Inde vraiment que... Bien sûr, vous nous parlerez de posture et tout en deuxième partie de l'émission, mais là vraiment, quand vous êtes tombée dans cette marmite. Oui, donc voilà, pour gérer ma santé physique et mentale et émotionnelle, j'ai trouvé le yoga. J'ai vu à quel point ça m'aidait personnellement dans ma vie de tous les jours. Peu à peu, mon corps allait mieux. J'ai retrouvé la force, je suis devenue plus forte et flexible que j'étais avant de tomber malade. Donc, et là, vous avez arrêté les médicaments? Complètement, d'un coup, d'un seul coup. Et très contente de l'avoir fait parce que c'était pas vraiment une solution long terme. Et je pense que le corps a en lui-même la possibilité, le pouvoir de se guérir si on sait lui offrir l'opportunité, la compassion, le support, l'encadrement pour pouvoir guérir. Et c'est ce que le yoga m'a offert. Donc, à travers les cours que j'ai pris, j'ai commencé à comprendre un peu plus ce que le yoga est et surtout ce que le yoga n'est pas. Donc à ce moment-là, c'était des cours pour aller mieux? C'était des cours pour aller mieux. Mais c'était pour savoir plus aussi. Ça a commencé pour aller mieux. Voilà. Et puis l'intrigue... Et ça a pris combien de temps pour aller mieux, des prières? Quelques mois. Mm-hmm. Quelques mois. Ça a aussi l'effet mental, hein, le fait d'aller mieux mentalement. Automatiquement, le corps réagit. Le physique suit, bien sûr. Le physique suit. Et d'un seul coup,
les douleurs diminuaient. Et même quand les douleurs étaient là, ce n'était pas aussi atroce que ça. Mentalement, ça ne faisait pas aussi lourd. Donc, peu à peu, ça allait mieux comme ça. Et sans réaliser quand, les douleurs ont disparu. Et est-ce qu'il a fallu à ce moment-là changer de style de vie, changer de mode de vie? Oui, un peu changer de mode de vie. Par exemple, déjà par rapport à la nourriture, certainement, oui. Par rapport à la nourriture, par rapport à la façon de vivre, parce que quand on welcome le yoga dans la vie, vraiment, avec les mains ouvertes, il faut à un moment donné changer sa discipline de vie. Avoir le temps, prendre le temps pour sa pratique tous les jours, même si c'est 5 minutes sur le mat, même si c'est juste c'est 2 heures de temps, mais toujours prendre le temps, faire un peu de respiration, un peu de se centrer. Donc c'est surtout dans cette façon que le yoga a changé ma vie. Ça a emmené une discipline, une structure à la vie. D'accord. Oui. Et là, bien évidemment, au fil du temps, au fil des jours et des semaines, donc des prières commencent à s'intéresser davantage. De plus en plus. En même temps, j'ai fini ma maîtrise. Et une fois que j'ai fini ma maîtrise, je voulais rester en Inde un peu plus de temps. Parce que j'avais des chiens en Inde que je ramenais à Maurice et les démarches prenaient un peu de temps. Et comme les choses s'emboîtent bien, comme tu as dit, le hasard n'existe pas, juste à ce moment-là, je me suis dit, j'ai le temps en Inde, donc j'ai la passion, j'ai l'amour pour le yoga, c'est quelque chose que je veux partager au monde, surtout comme étudiante de psychologie. Mon focus a toujours été aider les gens, la santé mentale, et j'ai vu que le yoga a un potentiel extraordinaire d'aider le mental d'une personne. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à traîner pour devenir un prof de yoga. D'accord. Alors, le prof de yoga qui est en face de moi aujourd'hui. Et là, nous allons détendre un petit peu l'atmosphère. On est déjà détendu, mais rendre l'atmosphère un peu plus agréable avec une petite musique douce pour vous. Alors, des prières, mille et une questions, comme je le disais un petit peu plus tôt. Et là, nous poitressons essentiellement à ben, téléspectateurs, nos ben, téléspectatrices surtout. Hein, et bien sûr, ben, le sujet qui est la demande. Et c'est vrai que quand nous causons yoga, il y a mille et une questions. Hein, est-ce qu'il tout dit monde capable de faire yoga? Est-ce qu'il nous a végétarien pour nous faire yoga? Est-ce que c'est quelque chose de religieux, hein? Plein de choses, plein d'interrogations. Et là, la question sera simple. Qu'est-ce que le yoga, les prières? Ok. Déjà, pour répondre à la question de ce que le yoga est, il n'y a pas d'explication simple. Parce que le yoga en lui-même est quelque chose de tellement abstrait. Donc, on peut dire que le yoga veut dire l'union. L'union entre le corps, le mental, les émotions, l'âme, l'union entre une personne et la nature, l'union entre une personne et le divin. Ça peut être n'importe quoi. En d'autres mots, ça veut juste dire l'union. Bien sûr. Ça élimine la séparation entre quelque chose et quelque chose, ça redonne l'union. Donc, c'est ça que le yoga est. Quand une personne pratique le yoga, la plupart du temps, à n'importe qui,
si vous dites je fais le yoga, automatiquement la personne va penser à des poses de yoga, qui n'est pas du tout la même chose. Et souvent, ça, c'est un signe de blocage. Par exemple, oui. Je ne pourrais pas faire ça, j'aurais des douleurs, j'aurais des courbatures. Voilà, et là, exactement. Ça n'a rien à voir. Exactement. Hein. Oui. Et une des grosses raisons pourquoi il y a ce manque de compréhension sur ce que le yoga est, c'est parce qu'il y a eu un boom, ça a westernisé d'une façon extraordinaire d'un seul coup. Et le côté western a projeté le yoga d'une façon très stéréotype. Par exemple, sur un yoga mat, un yoga pant, une personne mince, déjà fit, c'est ça fait du yoga, mais ça n'a rien à voir. Ce qu'on pratique sont les asanas. Les asanas sont les poses. D'ailleurs, chaque asana a une profondeur spéciale. Chaque asana est différent. Le nom de chaque asana mène vers une profondeur dans le corps, dans le mental, dans l'âme. Par exemple, prendre une pose comme une pose qui s'appelle le tree pose, Vrikshasana. Donc le tree pose, par exemple, la pose physique en elle-même, oui, ça c'est bien fait, physique bien sûr, mais qu'est-ce que le nom nous dit? Tree pose, un arbre, apprendre le grounding, apprendre à trouver ses racines, apprendre à trouver la stabilité, apprendre à être stable même quand le vent est fort, quand le vent dans le sens qui se passe dans la vie, le stress, donc s'accrocher vraiment les pieds sur terre. Voilà. Être centré à l'intérieur comme un homme. Donc, chaque pose a une profondeur. Ce n'est pas du tout de la gymnastique, ce n'est pas du tout des prouesses physiques. Et qui revient à ta question de est-ce que tout le monde peut faire le yoga? Est-ce que c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire mais non, je ne suis pas flexible, je ne peux pas faire le yoga. Bien sûr, donc il n'est pas besoin d'avoir de physique de rêve, pour, comme on le dit, pas pour faire le yoga. Tout. Pas du tout. Pas du tout. Chaque pose, chaque asana peut être modifiée pour n'importe qui. Voilà. Si une personne ne peut pas le faire debout, le fait assis, peut le faire assis, le fait allongé, c'est possible pour tout le monde. C'est la nature des poses d'être accessible à n'importe qui. Bien sûr, il y a des poses qu'une personne ne va pas faire, disons une personne vient de se blesser ou quoi, ne va pas faire une certaine pose pour ne pas se blesser plus, mais il y a autre chose que la personne peut faire pour justement l'aider à guérir plus vite. Donc, plein de gens ont cette conception qu'une fois qu'ils seront plus minces, ils seront plus flexibles, là, à ce moment-là, ils vont commencer le yoga. Qui est un paradoxe, parce que justement, s'ils veulent devenir plus flexibles, plus forts, être en plus de bonne santé, plus en communion avec le corps, comprendre la communication du corps, ben, commencer avec les asanas, c'est déjà step one, c'est la base. Et en plus des poses, une grosse partie de la pratique du yoga reste la respiration. Nous vivons dans une société où les gens ne sont pas du tout conscients de la respiration. Du tout, du tout, du tout. Ils passent des jours et des jours et des jours, des années, des décennies sans être conscients d'une respiration. Alors que la respiration est la chose qui reste avec nous depuis qu'on vient sur Terre jusqu'à la fin. Jusqu'à le dernier jour. La façon de respirer peut en elle-même guérir plein de problèmes physiques et mentaux. Simplement parce que si on ne prend pas bien l'oxygène, on n'élimine pas bien les toxines, le corps ne va pas suivre, le mental ne va pas suivre. Il y aura le feeling d'être étouffé mentalement, émotionnellement. Donc une grosse partie de la pratique du yoga revient sur la respiration, sur la conscience. Parce qu'une des raisons pourquoi les gens ne sont pas conscients de la respiration, c'est un manque de conscience tout court. Le mind est tellement actif qu'il est toujours en train de penser au passé, penser au futur, penser à toutes les responsabilités. Sans profiter de l'instant présent comme ça devrait être. Il n'y a pas du tout de conscience. Alors que dans le yoga, on ramène la conscience, on ramène l'attention au présent, on revient dans la réalité. Parce qu'on accentue toujours que le passé n'existe pas, à part dans la tête, c'est juste la mémoire. Le futur n'existe pas, c'est juste des projections de la tête. La seule réalité reste le moment présent. Et dans le yoga, le focus reste tout le temps de revenir, ramener la conscience. Ramener la conscience sur le corps, sur la respiration, dans ce qui se passe à l'intérieur, sur la communion. Et c'est comme ça que peu à peu, la personne commence à trouver une union à l'intérieur. Et un sentiment de bien-être. Voilà, c'est le sentiment de bien-être, le sentiment d'être connecté à quelque chose de plus grand. C'est ça le yoga. D'accord. Et quand les gens viennent vers vous, qu'est-ce qu'ils recherchent? Les premières choses qu'ils recherchent? Souvent, c'est pour être plus... pour être en meilleure santé,
pour la bonne santé du corps. Ça reste souvent, la plupart des gens viennent pour ça, parce qu'ils se sentent pas bien dans le corps. Et surtout, 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 le stress. Le stress, la maladie du siècle. Le stress, les problèmes de dos, et tout ça, c'est lié. Hein. Le stress a un impact direct, direct, direct sur le corps. Le corps ne va pas suivre si la personne est constamment en train d'être écrasée par un stress. N'importe qui, je pense, c'est ça. Parce que je crois en expérience, tout le stress à un moment donné ou à un autre. Donc, quelque part, je trouve que les gens sont en train de chercher un moyen d'aller mieux, pas juste physiquement, mentalement, mais d'aller mieux en une personne. Que l'être lui-même aille mieux. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'une personne peut venir, par exemple, qu'ils sont en meilleure santé et ressortir de la classe avec une meilleure santé émotionnelle et mentale et spirituelle et physique. Alors qu'une autre personne peut venir juste pour calmer le stress et quitter la classe en meilleure santé physique. Mais quoi qu'il en soit, donc quand ils ressortent d'ici, on les a vus un petit peu plus tôt, mais vraiment, ils ont la pêche et le sourire. Et c'est très important, c'est ce que les gens recherchent de nos jours. Alors, comment ça se passe en classe avec Dipriya? Je vous propose qu'on le découvre ensemble tout de suite. Pouce index ensemble. Le cou aligné au dos. Fermez les yeux. Bougez l'attention sur la respiration. Commence à respirer par le ventre. Inspirez, expande le ventre au maximum. Expirez, contractez le ventre. Ramassez le nombril en dos. Ralentissez la respiration au maximum. Minimum de 5 secondes pour inspirer. Minimum de 5 secondes pour expirer. Suivez le mouvement de l'air dans le corps. Filez la sensation à travers le nez, à travers la gorge. Observez le mouvement du ventre. Chaque inspiration, l'intention de faire l'espace à l'intérieur. Chaque expiration, l'intention release tout le stress, release la tension. Inspirez l'espace. Expirez la tension. Gardez les yeux fermés, ramenez les deux mains devant le cœur. Prenez un moment pour consciemment relâcher la journée. Release la semaine. Les responsabilités. Mettez tout de côté. Ramenez tout le focus seulement sur la pratique d'aujourd'hui. Sur le corps. Sur la respiration, sur la connexion entre les deux. Connectez-vous à vos gardiens. Fiez la présence des forces qui veillent chez vous. Prenez la bénédiction. Ensemble, trois fois Om. Inspirez profondément. Oh.
Fais la vibration continuer à travers le corps. Observe l'effet sur le mind. Frottez les deux mains l'une contre l'autre, créez une chaleur entre les mains. Quand c'est chaud, posez le plat des deux mains sur les yeux. Ouvrez doucement les yeux dans les mains. Baissez les mains. Gardez le dos droit. Les deux mains sur les deux genoux. Ventre à l'intérieur. Inspirez. Envoyez la tête d'ailleurs. Expirez devant. Rapprochez le menton du chest. Chaque inspiration, la tête va d'ailleurs. Chaque expiration, on rapproche le menton du chest. Bougez la tension sur la nuque. Gardez les yeux fermés. Synchronisez mouvement avec respiration. Quand le mouvement commence, la respiration commence. Le mouvement finit, la respiration finit en même temps. Alors après une session de yoga, je peux vous dire que mon équipe et moi, nous avons vraiment là, on ressent ce sentiment de bien-être et c'était le but recherché aussi d'Ipriya. Et alors une autre question hein, parmi tant d'autres qui refait souvent surface, est-ce qu'il faut que je sois végétarien pour pratiquer le yoga? Définitivement non. Il n'y a pas de restriction. Il n'y a pas de restriction comme telle, non. Juste que quand la personne commence le yoga, et quand je parle du yoga, là, je parle des postures, des asanas, la respiration, le pranayama, et le sentiment d'union qu'il va ressentir du yoga. Automatiquement, la personne sera plus connectée avec le corps et voudra de moins en moins mal nourrir le corps. Et quelque part, dans la vie de tous les jours, définitivement, les légumes sont plus sains que la viande. C'est un fait. Surtout où les animaux, la façon, la viande qui est accessible aux gens est souvent dopée d'hormones, souvent dopée du gras pas sain pour le corps. En ce qui concerne les fruits de mer, avec la pollution extrême du plastique dans les eaux, sans savoir, ils sont peut-être en train de manger du plastique. Donc, dans ce sens, très souvent, se trouve que quand une personne commence le yoga, naturellement, elle a tendance à aller plus vers les fruits, plus vers les légumes, les grains secs, moins de viande, moins de produits animaux, parce qu'elle devient de plus en plus consciente de ce que chaque produit fait à son corps. Donc, dans cette façon, il y a la connexion, mais non, ce n'est pas écrit que c'est parce qu'une personne n'est pas végétarienne. Végétarienne, elle ne peut pas pratiquer le yoga. Ça n'a rien à voir. Une personne peut manger la viande, mais au fond d'elle, elle recherche quand même quelque chose. Elle recherche son bien-être, elle recherche sa paix mentale, physique. Donc, personne n'a le droit de dire à cette personne. Donc, c'est un choix propre à la personne. Voilà. Si vous pratiquez donc voilà, le yoga, vous décidez de venir chez Ipriya ou ailleurs, vous pratiquez le yoga. Si vous ressentez le besoin d'être végétarien, c'est très bien. Mais vous n'êtes pas obligé d'arrêter de manger la viande, poulet ou poisson, fruit de mer, mais vraiment feel free. Hein. Le plus important, c'est que la personne se sente bien dans sa peau. Exactement. Voilà. L'important, c'est que la personne vienne avec l'intention sincère d'aller mieux, oui. Physiquement, mentalement, être ouvert à tout ce que le yoga peut lui apporter dans la vie. Et puis, ce qui vient, vient. Mais non, il n'y a pas vraiment de loi. Concernant le yoga. Il n'y a qu'un professeur de yoga sur la Terre qui va te dire « mais tu arrêtes de manger de la viande si tu viens chez moi ». Non, pas du tout. Peut-être qu'il y a. Peut-être qu'il y a. Mais en tout cas, chez vous, ça ne se passe pas comme ça. Du tout. Parce que ce qu'on apprend dans le yoga, c'est la compassion. C'est l'acceptance des gens, la compassion pour les gens. Et ça va à l'encontre de ce principe de dire à une personne « non, toi non ». C'est une forme de jugement, une forme de critique. Que le yoga nous apprend à justement aller loin de tout ça. Aller plutôt vers la compassion, vers l'acceptance, vers l'amour, au lieu du jugement et la critique. Parce qu'il y a trop de jugement et de critique, trop de haine, trop de critique dans ce monde. Et la pratique du yoga est justement pour aller vers l'union, la compassion, l'amour, tout court. Bien sûr.
Alors, c'est si joliment dit. Alors, si vous avez vraiment du temps et si vraiment vous voulez aller mieux, ben, on conseille le yoga, bien sûr. Dépendant de votre emploi du temps, et c'est flexible. Oui, bien sûr. Très flexible. Et comme on l'avait dit un petit peu plus tôt, même si ça ne prend que 5 minutes par jour, ça apporte toujours ce sentiment de bien. C'est mieux que rien. Exactement. Parce que tout le monde a son emploi du temps. Il y aura des jours où la personne peut être libre pour faire 2 heures de temps sur son mat. Et un autre jour, peut-être la personne n'aura pas le temps du tout. Mais ce qui est important, c'est la discipline. De se dire que tous les jours, je trouve un moment pour moi. Pas nécessairement pour faire des pauses compliquées, tenir sur la tête ou quoi que ce soit. Même s'asseoir et respirer pour 5 minutes, c'est déjà du yoga. S'asseoir et juste être en communion avec la nature, c'est du yoga. S'asseoir et écouter une chanson qui soulève le bien-être, la paix à l'intérieur, c'est aussi du yoga. Donc on peut pratiquer le yoga dans les petites choses de la vie en fait. Exactement. On peut le retrouver. Parce que dans chaque petit fait. On dit tout le temps ça, ce qu'on apprend sur le mat, le but, et d'emmener ça en dehors du mat. Par exemple, vous êtes dans une pause qui est dure à tenir parce que ça demande beaucoup de stamina, beaucoup de force. Pour tenir la pause, dans ce moment-là, sur le mat, vous avez besoin de trouver à l'intérieur de vous une force, une endurance et un willpower, un focus pour dire non, 10 secondes, je vais tenir. Maintenant, cette discipline mentale que la personne développe sur le mat, cette même discipline, elle utilise ça en dehors du mat. Le lendemain, quand elle aura un problème qui va fatiguer sa tête ou un challenge qu'elle doit deal avec, retrouver cette endurance, se dire que non, je peux, je vais deal avec. Donc, ce qu'on apprend sur le mat va en dehors du mat. Alors, ça, c'est un des maîtres mots de Dipriya. Et autre chose, Dipriya, de très important aussi, peu importe notre foi, peu importe notre religion, oui, on peut faire du yoga. Le yoga n'est pas quelque chose de religieux. Il y a certains qui vont vous dire la source vient de l'Inde. La documentation a définitivement est beaucoup plus détaillée, beaucoup plus expliquée en Inde. Mais dans ce qui est écrit là-bas, c'est que c'est pour tout le monde. C'est pour chaque être, chaque personne. D'ailleurs, c'est même pas limité aux humains. Chaque asana, chaque pose nous apprend à comprendre la nature plus. Le yoga est pratiqué par les animaux, par les plantes, par les éléments. Donc, de là à dire que non, si je ne suis pas, par exemple, hindou, je ne peux pas pratiquer le yoga, ça n'a rien à voir. D'être dérouté par le fait que, par exemple, dans mes classes, chaque début de chaque classe, chaque fin, on pratique tout le temps le Om. Et se dire que le Om, c'est un truc hindou, pas du tout. Le Om est une vibration. C'est la vibration de la création, indépendant de la foi, de la croyance, de la religion. C'est juste une vibration. Que ce soit une personne hindou ou non hindou, si la personne pratique le Om, elle va sentir la vibration, l'effet de la vibration sur le corps, sur la tête, sur les émotions. Donc, c'est facile de se laisser dérouter par ça. De penser que, ah, mais on pratique le Om, peut-être c'est un truc hindou, ah, les poses, on dénonce sanskrit, peut-être c'est hindou. Mais non, pas du tout, pas du tout. Vous venez pour aller mieux, indépendant de si vous avez été élevé, musulman, chrétien, chinois, n'importe quoi. Non, non, c'est l'essence du yoga en elle-même représente l'union. Et quand on s'arrête au mot « union », on comprend que l'union égale à élimination des catégorisations. Très bien. En tout cas, c'est très explicite, je crois. Alors, mesdames et messieurs, donc vous qui nous regardez aujourd'hui, je suis certaine que là, voilà, Dipriya a répondu à toutes nos questions, parmi les interrogations que nous avons autour du yoga. En tout cas, moi, je peux vous dire, hein, de l'écouter comme ça, vraiment, je suis plongée dans son monde. Vraiment, hein, on ressent le good vibes. Comme on dit ici, ben, je vous propose qu'on continue la classe avec Dipriya. Respiration longue. Profonde. Ouvrez doucement les yeux, écartez les jambes un peu plus que la hanche, deux lignes droites, serrez les genoux, les pieds ni ouverts sur le côté ni fermés, deux lignes parallèles, inspirez, ouvrez les deux bras sur les deux côtés, avec expiration, la main droite derrière le dos,
et la main gauche à l'épaule droite. Inspirez, serrez les genoux. Avec expiration, twist, tournez sur le côté droit. Ventre serré. Feel the stretch. Chaque expiration, twist un peu plus. Feel qui peut arriver sur le milieu du ventre, sur le milieu du corps, sur le dos. Chaque pose de twist est une pose de détox. Il peut éliminer la toxine du corps, de la tête, des émotions. 5, 4, 3, 2, serrez bien les genoux. 1, inspirez dans le centre, ouvrez les bras parallèles aux épaules. Expirez, main droite sur l'épaule gauche, main gauche derrière. Re-inspirez, remplissez les poumons. Expirez, twist sur le côté gauche. Serrez les genoux. 10. Utilisez chaque expiration. C'est une pause de contraction. C'est l'expiration qui nous aide. 8. 7. Utilisez l'appui de la main sur l'épaule pour pousser l'épaule en arrière. 5. 4. 3. 2. Et 1. Inspirez dans le centre. Stretch les mains. Expirez, reposez. Venez à l'œil du mat. Envoyez le pied droit devant. Les deux pieds dans une seule ligne. Pliez légèrement le genou droit. Les mains sur la hanche. Inspirez, ouvrez les épaules. Expirez, penchez-vous en avant. Le mouvement commence depuis le bas du dos. Quand vous sentez un bon stretch, posez les deux mains sur le mat. Respiration longue, profonde. Ne laissez pas le genou droit plier trop beaucoup. 5. Feel le stretch sur l'œillet de la jambe droite. 4. 3. 2. Et 1. Inspirez, remontez doucement. Stretch les mains là-haut, faites l'espace dans le dos. Expirez, reposez sur le côté. Envoyez le pied droit derrière. Pied gauche devant. Les deux pieds alignés, un derrière l'autre. Inspirez, les deux mains dans l'air. Faites l'espace dans le dos. Stretch, feel. L'effet de votre colonne vertébrale. Pliez légèrement le genou gauche. Expirez, descendez. Quantité qui est à l'aise. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Restez dans la pose, pliez légèrement le genou, plaquez les mains sur le mat. Envoyez le pied gauche derrière, Parvatasana encore. Fermez les yeux, laissez le sang redescendre dans la tête. 1. 2. Écartez les doigts des mains. Inspire. Expire, laisse ça rentrer. Très bien. 5. 4, 3, 2, faites un pas derrière, faites les down dog devenir large. Venez sur la pointe des pieds, shiftez les épaules devant, les épaules directement là aux autres poignets. Serrez bien le ventre, 10, 9, ne laissez pas la hanche descendre. 4, 3, 2, 1. Reposez les genoux, ouvrez les genoux, relaxez en balasana.
Relevez-vous doucement, allongez-vous sur le dos. Relax. Ouvrez légèrement les pieds, légèrement les bras. Relax chaque partie du corps, les pieds, les chevilles, les jambes, genoux. Relax la hanche, le ventre, le dos, les épaules, les bras, les mains et le visage. Gardez les yeux fermés. Focus seulement sur la respiration. Relâchez le corps complètement. Alors, des prières, vous étiez bien parti pour des études en psychologie. Vous êtes tourné également vers le yoga, car ce sont deux choses qui sont différentes, mais qui se relient aussi quelque part, n'est-ce pas? Exactement. La psychologie, l'étude des humains, la façon d'agir, le côté mental. Et pourquoi justement avoir choisi la psychologie? Ben, parce que personnellement, je crois que là où on est arrivé dans ce monde, on a besoin de se détacher quelque part des médicaments. Je trouve que déjà là, le stress monte en pic. Pas juste le stress, mais la dépression, les problèmes d'angoisse. Les enfants sont plus hyperactifs. Le mal-être mental se manifeste beaucoup de façons. Et oui, les médicaments peuvent aider à calmer les symptômes, ça peut aider. Mais je trouve qu'on a besoin d'une solution un peu plus profonde dans certains cas déjà. Par exemple, une personne peut être déprimée et passer plus de temps dans la nature et naturellement aller mieux. Certainement. Une personne peut être hyperactive, passer plus de temps à pratiquer des exercices de concentration naturelle qu'on fait par exemple des poses de balance, des asanas de balance dans le yoga et aller mieux. Au lieu de se tourner vers tout le temps une pilule, tout le temps une aide qui vient en dehors. Peut-être qu'on peut trouver l'aide de l'intérieur, retrouver la balance, le bien-être de l'intérieur. Parce que nous avons tout ce potentiel, il suffit de puiser et vraiment de le trouver. Exactement. Et tout ce qui est comme maladie, tout ce qui est débalancement de la santé, on peut le voir comme une maladie. Débalancement, ou on peut le voir comme une communication du corps. Par exemple, allons dire qu'une personne a des douleurs, disons le haut du dos, les épaules font mal. La personne peut se dire, oui, mais quelque chose ne va pas bien dans ma colonne vertébrale, mes épaules, etc. Ou peut-être que la personne se sent tellement fatiguée de porter un fardeau que le corps réagit à ça. Tellement stressé, tellement fatigué que le corps réagit littéralement à ça. Ah, tu portes trop sur les épaules et les épaules commencent à faire mal. Donc, si on prend ça sur ce point de vue, on peut voir que chaque symptôme du corps représente une communication du corps. C'est un petit appel au secours, voilà, que le corps Exactement. Te dit, voilà, prends soin de moi. Exactement. Le corps vous signale à travers la douleur que quelque chose n'est pas correct là, tu dois rectifier quelque chose. Donc, au lieu de prendre une pilule pour juste étouffer le symptôme, pour ne pas écouter le corps, peut-être écouter le corps et aller mieux. Donc, toujours un peu suivi cette perspective et expérience personnelle d'avoir vu certaines personnes très proches être, quoi, le contraire d'être aidées par l'industrie psychopharmaceutique. Ben, ça leur faisait plus de mal que de bien, ouais. Avec qui j'étais médicament. Terriblement, terriblement. Quelque part, les gens, certaines personnes que j'ai connues, je les ai vues être comme des cochons d'Inde. On essaye des trucs sur eux. Ah, on voit si ça marche pas, on essaye ça. Et c'est des gens, c'est des êtres humains qui sont infectés par les médicaments qu'on donne. Donc, bref, après avoir vu tout ça, je me suis dit que j'étais encore très jeune. Je me suis dit que je voulais aller dans la psychologie et apprendre un peu plus sur la santé mentale et comment aider les gens à travers l'écoute, à travers guider les gens. Mais oui, j'ai commencé, j'adore. La psychologie est extrêmement intéressante, mais c'est aussi une science très nouvelle.
comparé aux autres formes de la médecine, les autres sciences. C'est très récent, la psychologie. Maintenant que c'est en train de bloom et vraiment avoir la recherche, avoir le funding pour plus de recherche sur le cerveau, sur le behavior. Donc, c'est encore très nouveau. Les formes de thérapie aussi sont encore nouveaux, ça évolue. Ce qui était utile, peut-être 10 ans de cela, devient de moins en moins utile maintenant parce que la société change, les gens changent. Mais les gens, voilà, parce qu'on parle de gens, on parle de médicaments, de psychologie, ils accordent plus d'importance à leur bien-être, à leur santé aujourd'hui. Ouais. Mais chose très importante, voilà, Dipriya, donc, elle a sa façon de voir les choses, bien sûr, hein, contre les médicaments, mais ça ne veut pas dire que vous qui nous regardez aujourd'hui, qu'il faut arrêter tous les médicaments. Non, pas du bien tout. Sûr, donc chacun, ça, certainement. Hein, pas du tout. Bien sûr. Et de dire, je ne suis pas contre les médicaments comme tel. Ça m'arrive de prendre des médicaments, moi-même. C'est juste que... Mais pas dépendante. Voilà. Tant qu'on peut éviter, on évite, bien sûr. Exactement. Au lieu de laisser les choses aller mal et puis prendre les médicaments, peut-être juste rectifier le problème à la source. Certainement. Et à ce moment-là, aller vers les médicaments, oui, mais quand c'est vraiment nécessaire. Mais les gens sont plus conscients de ça, maintenant. Mais je pense qu'il y a une... Il y a une prise de conscience. Mais encore une fois, bien rectifier que... C'est pas blanc ou noir, dire non, les médicaments c'est mauvais, il faut pas prendre. Non, 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 pas du tout. Mais savoir vraiment faire la part des choses. Exactement, exactement. Par exemple, une personne a des problèmes, souvent la tête fait mal. Au lieu de tout le temps prendre un Panadol, peut-être comprendre, mais pourquoi ma tête fait mal? Et éliminer le problème à la source. Pour que justement la personne n'ait plus besoin de prendre le médicament. C'est ça le but, de trouver une certaine indépendance dans le corps. Oui, donc par rapport à ça, par rapport à l'importance que j'ai vue la santé mentale a dans la vie de tous les jours, c'est pour ça que j'ai pris le choix d'aller vers la psychologie. Et la maîtrise était très intéressante, mais par contre, personnellement, quand j'ai découvert le yoga, j'ai fait l'expérience personnelle de à quel point le yoga m'a aidé mentalement. Que je ne parle pas pour n'importe qui, en tout cas pour moi, je pense qu'aucune thérapie sur Terre, aucun psychologue sur Terre aurait pu me faire ce que le yoga m'a fait à moi. Et ça se ressent, je peux vous le dire. On sent vraiment la positivité chez Dipriya. Je vous retrouve juste après ceci. Notre émission Elle d'aujourd'hui en compagnie de Dipriya Balgobin, professeure de yoga. Alors on a entendu hein, depuis quelques minutes vraiment son amour pour le yoga. Et je pense que voilà, sans yoga, c'est mal parti, je pense. S'il y a pas. Donc c'est un tout ça vous complète vraiment. Mais autre chose très important aussi, elle n'est pas uniquement amoureuse de yoga, mais elle a aussi un autre amour, mais là avec un A majuscule, n'est-ce pas? Votre amour pour les chiens. Pour les chiens, pour les animaux. On a combien? 16 déjà. 16 chiens. Oui. Tous rescapés du chemin. Mm-hmm. Tous pris dans un état piteux, abandonnés par les gens, jetés par les gens, maltraités par les gens. Tous sauvés, pris, offert beaucoup d'amour, de compassion. Aujourd'hui, ils sont tous des chiens magnifiques. Et comment vous est venue cette idée? Vous étiez capable de voir souffrir les animaux, bien sûr. Ben, il y a un déclic quelque part? Depuis petite, ça fait toujours mal au cœur de voir la maltraitance des animaux. En plus, en Maurice, il y a tellement de chiens errants. Et où il y a la mentalité où, aïe, les chiens errants, vous êtes pousselés. Au lieu de vraiment, je vois les gens utiliser beaucoup plus de... la tête, le côté pratique et ce qui convient pour dire « Aïe, non, mais pousse-les » au lieu d'utiliser le cœur. Moi, je trouve ça simplement un manque de cœur. D'ouvrir le cœur à un animal qui a besoin d'aide. Des fois, à Maurice, c'est trop commun de voir un chien squelettique, un chien malade, très malade, qui souffre. Aïe, mais justement, les malades nous poussent-les. Ou aïe, poussent-les pour rester là, sinon. Mais ça, vraiment, c'est ancré dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de mentalités mauriciennes. D'avoir ce... Comment dire fermer les yeux. Voilà, une barrière. Voilà, parce que tu es un chien errant, mais tu n'as pas de place dans ma vie. Exactement, fermer les yeux. Ce n'est pas juste par rapport aux chiens. Les chats, pareil. Les animaux, en général. L'amour que j'ai, c'est pour les animaux, pour la nature. Mais bon, à Maurice... L'animal où on voit le plus souvent maltraité, c'est le chien.
Et j'ai la chance, grande bénédiction, d'être entourée par une famille qui a aussi l'amour pour les animaux, qui a la compréhension de ce qui se passe, parce qu'avoir 16 chiens à la maison, ce n'est pas nécessairement facile. C'est du boulot, j'imagine. C'est du boulot. Mais et c'est, ça cause des inconvénients, bien sûr. Mais la famille est assez ouverte du cœur pour comprendre le grand travail qu'on fait là. Parce que, comment est-ce que vous organisez tes prières? Ben, déjà, on a la chance d'avoir de l'aide à la maison par une personne extraordinaire qui elle travaille chez nous et elle a tellement de chiens qu'elle a sauvés elle-même, tellement de chats qu'elle a sauvés. Et elle travaille à la maison, elle nous aide énormément pour les chiens. Je peux lui dire un salut? Bien sûr, elle vous écoute, elle vous regarde. Oui, c'est chien qu'elle regarde. Donc, elle s'appelle Reka. Bonjour Reka. Et elle, c'est une des personnes qui mérite vraiment le... Parce qu'avec ses moyens, elle a tellement beaucoup d'animaux. Donc, on a la chance de l'avoir à la maison pour nous aider. En même temps, la famille, tout le monde aide à sa manière. Ma maman est une grande amoureuse des animaux. Ma maman, qui a toujours été l'exemple que j'ai suivi pour devenir, choisir un style de vie où je ne veux plus vraiment aller vers certains choix qui soutiennent la cruauté contre les animaux. Donc, elle m'a toujours donné cet exemple, toujours soutenue. Bien entouré, tous les membres de la famille, vraiment, même si tout le monde n'est pas pareil, dans le sens tout le monde ne va pas ramasser des chiens comme moi, mais à leur façon, tout le monde apporte sa petite contribution, exactement. Sa petite pierre à l'édifice, bien sûr, pour que ces êtres vivants qui méritent, vivent bien, voilà. Qui méritent, parce qu'il faut bien comprendre que nous, on a monté bâtiment sur bâtiment partout, et là, on est là à dire qu'ils ne méritent pas leur place, mais où ils vont aller? Ils ont leur place sur terre aussi. Dieu nous a tous créés égales. Et même quand j'étais en Inde, on a sauvé 8 chiens. Oui, voilà, vous avez ça un petit peu plus tôt, donc restez en Inde pour pouvoir ramener ces chiens à Maurice. On a sauvé quelques amis et moi, on a sauvé 8 chiens du chemin qui allaient tous mourir, définitivement. Malheureusement, un dedans n'a pas survécu, mais elle vit toujours dans le cœur. Les 7 autres ont été ramenés à Maurice. Pas facile. Avec beaucoup de difficultés, j'imagine. Beaucoup de difficultés, énormément de difficultés. Mais le plaisir que c'est de les avoir à Maurice, c'est juste, ça vaut tout le tracas que c'était, toute la difficulté. Oui, les yeux qui brillent, on voit que c'est vraiment vos amours. Alors, ils ont certainement des prénoms, ces chiens. Ah, vous oui. Les connaissez tous par cœur? Tous. Allez-y, on est parti. Les rides. Il y a tellement d'espoir, je ne vais pas... Je ne vais pas rater là. Je vais compter. Allez, les chiens à la maison, la plus âgée, c'est Congo, Fleury, Lily, Fancy, Sunday, Roquet, Nounouche, Nouveau. Qui d'autre? J'en rate beaucoup là. Mirinda, Squat, Sensi, Zoro, Ruxo. Et puis... Vous y êtes presque. Oui, j'ai encore 3 là. Oui. Ouais. Attendez, hein, je vais retrouver là. Il y a d'autres Indiens aussi, qui, des amis ont adopté les 3 autres Indiens qui s'appellent Luminou, Tigoy et Rani. Et les 3 autres à la maison sont Joy ou Joey. Ensuite, Plus que 2. Plus que 2. Bon, je vais trouver là. Mais on peut la comprendre quand même, cette chienne. Elle est magnifique. Non, je vais trouver, je dois trouver. Je peux pas les rater. Joey, Nounouche, Roquet, Nouveau, Ruxo, Fleury. C'est deux qui habitent d'ailleurs. Alors, Princesse. Et Prince? Non. Un dernier. Le dernier, c'est les 4 Kangoos. Princesse, Sunday, Fancy. Je sais, j'ai pas dit les 16, non. Non, il en manque, non, il je manque pense. Un, okay. On l'appellera timide alors, il est sûrement perdu en tout cas. En tout cas, elle est magnifique et adorable. C'est une femme au grand cœur, en tout cas, moi, ce que j'ai appris aujourd'hui, vraiment. Hein, les gens, voilà, c'est une femme au grand cœur que j'ai à côté de moi, vraiment, qui n'aime pas et qui ne fait surtout pas
les choses sans âme. En tout cas, merci. J'ai trouvé. Elle a trouvé, oui. Marronnée, ben voilà, marronnée. Ben, je pense qu'on fait un gros coucou à tous les chiens et surtout à Marronnée et à vous, mes fidèles téléspectateurs des prières. Merci. Merci en tout cas. J'ai passé un moment magique, magnifique et je suis certaine que vous, chez vous, vous l'avez ressenti aussi. Merci à mon équipe et merci pour votre fidélité. Et je vous souhaite une excellente journée ou soirée, dépendant de l'heure qu'il fait chez vous. Et bien sûr, vous savez comment faire hein, pour nous contacter. Si vous aussi, vous voulez partager avec moi, avec nous, votre expérience, numéro de téléphone, adresse email. Bye bye et à bientôt.